En fait, Assat Salem est la première créature, donc unique. Créature, première et unique. D'accord? Et Allah Azzawajal est unique. Et toutes les créatures, en fait, viennent de l'unique Allah Azzawajal. C'est ça qu'on appelle Wahdat el-Shuhud, ou bien Wahdat el-Wujud. D'accord? L'unicité de l'existence. Le seul à exister de lui-même et pour de vrai et sans commencement, c'est Allah Azzawajal. Tout le reste, ce sont des existences par procuration, des existences créées, des existences qui ont un début. Des existences, oui, mais des existences qui ont un début. Donc, c'est presque. On considère ça comme du néant. On considère ça comme du néant. Même si, bien entendu, on interagit avec les créatures, on respecte les créatures. D'accord? Man la yashkuri naz la yashkuri la. Celui qui ne remercie pas les créatures ne remercie pas Allah Azzawajal. On avait déjà expliqué que ça, c'est ça le wahdat al-shuhud. C'est ça, le wahdat al-shuhud que les gens ne comprennent pas. Et le frère, Abu Isha, ça, je vais le mettre en extrait. Il ne m'a pas répondu, parce que maintenant, c'est un Twitter VIP qui ne laisse plus les commentaires. Donc, il s'est permis de critiquer le Cheikh Yousri en disant qu'il valide Wahdat al-Wujud. Eh bien, je le mets au défi de me définir ce que c'est quoi Wahdat al-Wujud. D'accord? Qu'on sache. Et en tout bien tout honneur, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand tu propages parmi les gens que ceci est un égarement, alors que tu ne comprends pas du tout de quoi il s'agit, alors que Wahdat al-Shuhud ou Wahdat al-Wujud, c'est le tawhid pur et véritable. Donc c'est le vrai tawhid quand tu dis La ilaha illallah, d'accord? Tu attestes que rien ne fait et rien n'existe réellement à part Allah Azzawajal. Tout le reste, ce sont des existences, ce sont des créatures. Donc toi qui prétends avoir. Le tawhid, c'est quoi en fait? D'accord? Le tawhid, c'est quoi? C'est le fait justement de nier les attributs des créatures. C'est ça. Sinon, dans ce cas-là, tu dis que c'est le spermatozoïde qui donne des enfants. Tu dis que c'est la pluie qui fait pousser qui fait pousser la verdure. Dans ce cas-là, voilà. Finalement, qu'est-ce que tu reproches au mouchriquine? C'est vrai. C'est bien beau de nous accuser, nous, de faire du shirk. Mais si toi, tu dis non, moi, j'existe, moi. C'est pas du adab de dire moi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on a un moi, mais c'est un moi qui s'efface devant l'unicité d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc, quand Allah Azzawajal dit, fa'aynama tuwallu fa thamma wajhullah, vas-y, ça veut dire quoi? Où que tu te tournes, tu vas trouver le wajh d'Allah. C'est-à-dire quoi? Que le visage d'Allah Azzawajal, il est partout? Donc moi, je te mets au défi de m'expliquer ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et je te mets au défi de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, man la yashkuri nas la yashkuri la. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah Azzawajal. Et je te mets au défi de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bi. Je suis l'oreille avec laquelle il entend, je suis l'œil avec lequel il voit, je suis la main avec laquelle il voit. Je te mets au défi de m'expliquer ça veut dire quoi. Et je te mets au défi de m'expliquer de ce que ça veut dire quoi. Yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ceux qui font le pacte d'allégeance avec le prophète, avec toi, ya Rasulallah, ils font le pacte d'allégeance avec moi. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Je te mets au défi de m'expliquer tout ça, ce que ça veut dire. Ok? Donc, en tout bien, tout honneur, avec respect, mais à un moment donné, c'est bien beau qu'on s'accuse les uns les autres de toute chose, mais à un moment donné, il faut que, on sache de quoi on parle. Parce qu'on parle de tawhid au final.